bonsoir. Merci de votre fidélité à la une ce soir. Perturbation de transport ce matin à Kinshasa. Des pneus ont été brûlés à certains coins pour empêcher la circulation. Conséquence, les travailleurs n'ont pas atteint leur bureau. Comme eux, certains finalistes de l'examen d'État sont arrivés en retard dans les centres. Trois ont connu un accident de moto. Autre paralysie, c'est dans les hôpitaux publics. Pas de médecins, les malades se contentent du service minimum. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Patient Saïba Tamboué est suspendu de ses fonctions de directeur général de la DGM. L'intérim est assumé de droit par le directeur général adjoint. Il est reproché aux concernés, notamment le refus délibéré d'obtempérer aux remarques formulées par la tutelle concernant son départ en congé simultané avec six missions de service devant couvrir globalement 29 jours en dehors du pays. Le président burundais est à Kinshasa pour 3 jours. Première visite officielle, il est l'invité du président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'on se souvient encore de l'audience que le président de la République a accordée au ministre burundais des Affaires étrangères. Voici les images de son arrivée. C'est sous un ciel dégagé que le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, est arrivé à Kinshasa en fin d'après-midi ce lundi 12 juillet. À l'aéroport international de Ndjili, le président Ndayishimiye a été accueilli au pied de l'avion par le premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé. Plusieurs autres personnalités ont accompagné le premier ministre congolais pour accueillir ce hôte de marque. Pour cette première visite d'État en République démocratique du Congo, le chef de l'État burundais a traversé la haie d'honneur présidentielle sous les acclamations de nombreux ressortissants burundais vivant à Kinshasa. Au salon présidentiel de l'aéroport international de Ndjili, le président Evariste Ndayishimiye a eu un premier entretien avec le premier ministre Samalou Kondé. C'est sur invitation du président en exercice de l'Union africaine, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le président Evariste Ndayishimiye est venu à Kinshasa pour une visite d'État de 72 heures. Cette visite est la matérialisation de la volonté des deux chefs d'État de renforcer davantage les relations d'amitié et des coopérations qui lient les peuples congolais et burundais, ainsi que la coexistence pacifique entre ces deux peuples. Durant cette visite d'État, les deux chefs se rencontreront tête à tête. Ils auront des entretiens élargis sur des questions d'intérêt commun au niveau bilatéral, régional et continental. Cette visite d'État intervient près de 2 semaines après la rencontre à Goma entre le président Félix Tshisekedi et le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement, Albert Shingiro, émissaire du président burundais. Le président de la République a reçu aujourd'hui des lettres de créance de quelques ambassadeurs. Dans ce reportage, on nous présente les domaines d'intérêt de la RDC avec ce pays, mais aussi le profil des ambassadeurs accrédités. Le Palais de la Nation, c'est ici qu'a été déroulé le tapis rouge pour les 6 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en RDC. Le premier à franchir le bureau du président de la République, c'est Mayen Majak Malouatian. Le Sud-Soudanais de 63 ans a présenté ses lettres de créance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce diplomate a débuté sa carrière en 1978 comme administrateur fiscal du ministère national de finances et de la planification économique, poste qu'il occupera pendant 22 ans. Depuis 2019, il est directeur du département de la coopération technique internationale. Certifié, il débute ce jour son mandat à Kinshasa. Après le Sud-Soudanais, le Turc Mehmet Munis Dirik a lui aussi fait le même exercice pour être officiellement accrédité. Plusieurs fois premier et deuxième secrétaire de représentation diplomatique de la Turquie, le diplomate turc est devenu ambassadeur pour la première fois en 2010 avec affectation au Tadjikistan.
Ambassadeur de la coordination du sommet D8, il était membre de la commission de déclassification des archives au moment de sa nomination comme ambassadeur en République démocratique du Congo. Omar Souleymane, c'est la nouvelle voie diplomatique qui va relier la République fédérale du Nigeria à la RDC. Directeur général de l'autorité portuaire nigérienne entre 2010 et 2012, ce cadre maritime expérimenté en infrastructure portuaire est aussi spécialiste en négociation. La République fédérale d'Éthiopie a elle aussi accrédité son nouvel ambassadeur en RDC. Wanchit Tadesse a représenté de manière permanente l'Éthiopie auprès de l'Union africaine entre 2017 et 2018. Ambassadeur d'Éthiopie en Suède et dans d'autres pays nordiques entre 2013 et 2017, de ministre conseiller à la mission permanente d'Éthiopie auprès des Nations Unies pendant 3 ans. Ses lettres de créance présentées, désormais en poste avec résidence à Kinshasa. À 28 ans, il était comptable central de la société de consignation des manutentions et des transits Votra. 27 ans plus tard, le voici présentant ses lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Hamedi Camara, nouvel ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en RDC, possède une maîtrise spécialisée en management aéroportuaire de l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse, en France. Le natif de Darfour est résident à Abuja, au Nigeria. Le tout dernier de la série, c'est Hannibal José Marquez Munoz. Historien et diplômé en sciences africaines, le nouvel ambassadeur du Venezuela se présente comme idéologue et promoteur de la pensée politique de Simon Bolivar. Ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela au Soudan, le diplomate Hannibal est promoteur de plusieurs initiatives politiques et sociales. Il réside à Brazzaville. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, la directrice de cabinet adjointe en charge de questions juridiques et le conseiller diplomatique du chef de l'État ont composé l'équipe cérémonielle du jour aux côtés du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. L'RDC reste dans la course au poste de secrétaire exécutif de la SADC. Faustin Luanga, son candidat, bénéficie du soutien du gouvernement. Il a eu des échanges avec le premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Pati Tondango Kizunda. La candidature de la République démocratique du Congo au secrétariat exécutif de la SADC, l'heure est à la campagne. Sur invitation du premier ministre, le professeur Faustin Luanga, à une séance de travail avec le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalukonde Kienge, pour les derniers réglages. C'était en présence du ministre de l'intégration régionale, Didier Manzenga. Nous avions échangé avec son excellence, monsieur le premier ministre, avec qui nous avions discuté comment nous allons faire le déplacement pour la campagne, et cela dans des pays membres de la SADC. Professeur Luanga a cette expertise pour pouvoir prendre les bâtons de commandement. Sa candidature a été présentée, non seulement parce qu'il est professeur, mais il a l'expertise. Ça a été témoigné au niveau de Mozambique, lorsque nous avions tenu le sommet extraordinaire des chefs d'État et du gouvernement. Ils ont passé à l'interview. Il a présenté comment il va diriger cet organe. Étant donné que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est président en exercice de l'Union africaine, il est de bon droit que le professeur Luanga ou bien la République démocratique du Congo puisse gagner ce poste pour accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans sa mission. Les élections sont donc prévues pour les 4 août prochains. Lundi, perturbé ce matin, des colonnes de piétons partout à Kinshasa, pas de transport en commun. Les conducteurs ont manifesté contre les tracasseries dont ils font l'objet. Bilan, quelques finalistes blessés dans un accident de moto Iverson Kabwaba. Cédric Kenina. Atteindre un point A pour un point B relèverait de l'impossible ce matin à Kinshasa. Pas de transport en commun, taxi, taxi-bus. Et dans une moindre mesure, les motos ont décidé d'observer un mouvement de grève. Un lundi qui coïncide fort malheureusement au début des épreuves préliminaires de l'examen d'État. Conséquence directe, les bleus et blancs se retrouvent un peu partout dans la ville à pied. Un accident est vite arrivé. Les infortunés sont tous élèves. D'après les témoignages recueillis sur place, il s'agit, comme l'attestent ces images prises par un smartphone, d'une moto en perte de vitesse qui a fini sa course dans une canalisation. Les passants accourent pour constater les dégâts. La situation serait à première vue moins grave. 2 blessés légers
et un qui en est sorti avec un hématome sur le visage. Le conducteur lui serait fracturé, les deux jambes touchées. Plus loin encore, des scènes inhabituelles de marche forcée et des arrêts des bus qui ne désemplissent pas. Certains conducteurs des transports en commun qui tentent d'embarquer des clients sont sommés par leur corporation qui veut absolument faire entendre sa voix face à la tracasserie qu'elle estime être victime de la part des agents commis à la circulation routière. Tous les chauffeurs ont un permis, ont un document, patron de son mamou, tout cas, assurance, vignette, autocollant, mais à chaque fois, on dit là, opération limite, bon, la pépette. On ne comprend rien. La plupart des chauffeurs ont leurs documents, mais curieusement, la tracasserie continue. On nous extorque au quotidien. Une fois en face des agents de l'ordre, il faut débourser 200 000 francs ou 300 000 francs congolais. On observe une unité sur les terrains. Des hommes baraqués qui nous arrêtent parfois sans cause. Et cette peur a également envahi l'unique entreprise publique des transports en commun qui est Transco, qui a gardé ses bus au risque de se faire caillasser. Kinshasa sans transport en commun, c'est pratiquement un grand village où atteindre les centres des affaires nécessiterait un peu d'énergie et des calories à consentir. Autre actualité, plus de 830 000 candidats ont passé l'épreuve hors session de l'examen d'État aujourd'hui à travers la République. Le ton a été donné à Mbanzangungu. Nous sommes au Congo central. Qui dit, je cite, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nous tenons à relever les niveaux d'études de nos finalistes. C'est en ces termes que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a procédé au déballage de mal d'items de l'examen d'État avant de le remettre au gouverneur de la province du Congo central, à Toumatoubouana. En compagnie de la secrétaire générale à l'EPST, Christine Nepanepa, le ministre Tony Mwaba a remis symboliquement aux élèves finalistes. Ces épreuves hors session concernent la dissertation, les français oral et les jurys pratiques. De Mbanzangungu, Tony Mwaba a donné le coup d'envoi de l'édition 2020-2021 au nom du gouvernement central. Bon courage et bon travail. Je lance au nom du gouvernement de la République le démarrage des épreuves de haute session de l'examen d'État 2021 sur toute l'étendue du territoire national et en province, hors frontières, dans le respect des mesures barrières contre la COVID-19. La RDC a aligné cette année 830 164 candidats du cycle long répartis en 2456 centres, pendant que le cycle court en a aligné 5 738 repartis dans 296 centres. La dissertation a également eu lieu en zone opérationnelle, précisément dans la province du Nord Kivu, dans les écoles de Beni. Le maire motive les candidats pour que le lauréat de toute la République sorte des écoles de Beni. Tout frais, ce lundi matin, plus de 4000 candidats finalistes à l'examen d'État à la sous-division EPST Beni sont venus démarrer les épreuves hors session. Dans cette zone opérationnelle du Nord Kivu, les écoles avaient été visées par les poseurs de bombes. L'organisation de ces épreuves est une démonstration du courage des écoliers de Beni, une attitude encouragée par le maire. Vous n'avez donc pas à paniquer. Soyez sereins et tranquilles. Prouvez aux membres du jury qu'à Beni, il y a des enfants forts, intelligents, bien appliqués. En hors session comme en session ordinaire, nous attendons de vous des meilleurs résultats. Nous souhaitons que la plus grande pourcentage en République démocratique du Congo vienne de Beni. Confiant du niveau de préparation à l'examen d'État, certains élèves ont pronostiqué sur les résultats. Ouais, moi, vraiment, c'est très super. Vraiment, j'aime t'es concentré à la maison. Moi, 68. 68%? Oui. Moi, c'est 58. Ces épreuves vont se dérouler pendant 4 jours en état de siège, 4 jours de haute surveillance pour les forces de défense et de sécurité.
L'Église catholique du Congo est en deuil. Laurent Mosengo Pasinya est mort hier dimanche. Il fut non seulement un personnage religieux, mais aussi politique. Réflexion de Guy Matonde. Toute la communauté nationale est unanime à reconnaître que l'homme aux convergences parallèles avait une personnalité porteuse de ses convictions. Le cardinal Laurent Mosengo Pasinya était à la fois adulé et controversé selon des avis qu'il émettait sur diverses questions de la vie nationale. Ce natif de Mongobélé, ordonné prêtre en 1963 pour le compte du diocèse d'Inongo, était un pasteur capable d'épuiser en lui-même la force d'alimenter la foi de ses brebis. Exégète, polyglotte, auteur-compositeur, fin diplomate, membre de plusieurs sociétés savantes à travers le monde, c'est lui qui a dirigé avec Maestro la Conférence nationale souveraine, restera dans la mémoire nationale comme un météore venu pour accélérer notre évolution vers des conquêtes intérieures. Cet homme exceptionnel fut élu président de la Conférence épiscopale du Zaïre vers les années 80, avant qu'il n'occupe les mêmes fonctions en 2006, au moment où le pays négociait un virage important de son histoire. Il était de tous les rendez-vous nationaux. C'est un homme qui ne s'appartenait plus à la seule Église catholique. Il s'est imposé tout au long de son parcours comme un acteur social et politique majeur. Si nous négligeons le peuple, c'est-à-dire si le pouvoir n'est pas pour le peuple, mais le pouvoir est pour les dirigeants, nous risquons de nous noyer. Comme le chrétien préfigure leur passage sur terre, on se risque à dire que le prélat s'en est allé pour la féliciter. Et c'est ici, dans cette église cathédrale Notre-Dame du Congo, où il va reposer pour l'éternité, aux côtés de ses deux illustres prédécesseurs. Des souvenirs, des témoignages autour de ce grand homme, voici quelques-uns que nous vous proposons. Dans l'église catholique, il a aimé le Congo, il a aimé les Congolais. Un homme épris de paix, de justice et de vérité. Il disait tout ce qui lui passait dans la tête et tout ce qu'il disait était réfléchi. Vraiment un homme juste. Le témoignage que j'ai de lui personnellement, il a instauré le système de célébrer une messe pour les jeunes chaque fois qu'il y avait fête de rameau. Je suis vraiment très très bouleversé par la disparition de l'illustre. C'est une grande personnalité pour notre famille et c'est pour cela nous suspendons toute activité jusqu'à son enterrement. C'est une perte énorme pour les communautés Sakata. Suite à la disparition inopinée de l'archevêque émérite de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo Pasinya, la fondation G24 avec à sa tête l'honorable Jean-Marie Lukulasi Masamba exprime sa profonde désolation et présente ses sincères condoléances à l'Église catholique ainsi qu'à la communauté Sakata dont il était le patriarche naturel. Les déchets durs peuvent produire de l'énergie. À Kinshasa, une entreprise veut se lancer dans cette aventure. Yolande Voka l'a visitée. Voici son reportage. Deux chariots d'ordures ménagères de la ville-province de Kinshasa, pour quelle destination? Certes, pour être déversés dans différentes décharges publiques disséminées ça et là à travers les communes. Chiffré hier à 63, le décharge se compte actuellement à 10, dont la plus grande en termes de capacité demeure celle située sur l'avenue Sayo dans la commune de Kassavoub. L'opération d'évacuation de ces ordures s'effectue moyennant une taxe aux gestionnaires de la décharge. Nous prenons des ordures dans des parcelles des particuliers. Nous les jetons à Sayo et les véhicules de salubrité viennent pour évacuer toutes ces ordures. La gestion des déchets ménager devra être une des préoccupations urbaines en matière de protection de l'environnement. L'importance du partenariat entre la régie d'assainissement de Kinshasa, RASKI, et l'International Transformer Serving, ITS, une entreprise de transformation de déchets, s'avère donc indispensable pour faciliter la transformation des ordures en électricité ou en gaz. Le
Le directeur général du RASKIN, Donatien Chimanga, a visité les installations de l'UTS pour avoir plus de détails auprès du directeur Patrick Ounga sur les recyclages des déchets devant générer de recettes et produire des ustensiles en plastique. La RASKIN, Kinaseni et l'UTS s'engagent dans la lutte contre l'insalubrité pour rendre la ville de Kinshasa propre, salubre et viable par la transformation des ordures. 30% seulement des marchés publics accordés sont appréciés ou ont eu la cote performante. C'est les résultats de l'audit annuel des marchés publics pour les exercices 2014-2015-2016. Des précisions avec Ricky Nzuziloya Mayawel. C'est pour vérifier la conformité du processus de passation des marchés publics à RDC selon les règles et procédures édictées par la loi de 2010 à la matière que l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, a présenté ce jour la synthèse des résultats sur la période allant de 2014 à 2016 à travers le cabinet indépendant Eurydit FCC ACR recruté par le projet Profit Congo dont le COREF assure l'autorité fiduciaire sur un volume de 3700 marchés. Évalué à plus de 3,8 milliards de dollars américains, 93 marchés seulement ont été attribués de façon régulière et 36 de façon irrégulière. Les conclusions repèrent encore plus de 177 marchés sans opinion pour raison des carences documentaires ou d'absence d'offres, voire des contrats. Paul Gaspard Ngondan Koinkoi, directeur des cabinets et représentant du Premier ministre, a évoqué la volonté du gouvernement d'assainir davantage. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a déclaré devant la représentation nationale, je cite, « L'effort du gouvernement portera sur l'assainissement et la rationalisation des dépenses publiques. À cet égard, le gouvernement s'engage à améliorer l'efficacité des dépenses publiques et à faire respecter les procédures en matière de dépenses publiques. » La réglementation et la mise en place du dispositif respectent de façon globale les normes internationales. 5 kidnappeurs ont été présentés aujourd'hui à la police, parmi eux une dame. Pour vous faire une idée sur le mode opératoire et le profil de ces Congolais, suivez ce reportage. Des pièces d'identité au sol, des cartes SIM, des véhicules dont ils se servaient pour opérer ont été présentés à la police. La spécialité de cette bande de 5 kidnappeurs est d'enlever les Kinois. Cette bande est auteur dans la ville de Kinshasa de la résurgence de kidnapping des personnes, filles comme garçons, qui prennent place à titre de passagers à bord de leur voiture qu'ils utilisent comme taxi depuis un certain temps. Dans la ville de Kinshasa. Et chemin faisant, ils les dépossèdent de leur sac à main, des fonds et effets de valeur avant de les abandonner dans des endroits obscurs. Ces kidnappeurs sont tombés dans le guet-apens qui vient mettre fin à une sale aventure de criminalité. La fille ici présente joue le rôle d'appât afin d'attirer les gens d'accéder dans la voiture sans hésitation. La montée de la criminalité à Kinshasa a créé une psychose depuis plusieurs mois. Ces malfrats sont désormais à la disposition de la justice. Comment fonctionne la Société commerciale des transports et des ports SCPT? Pour se faire une idée claire, le ministre de Transport a effectué une visite dans les installations de cette entreprise publique. Eric Kabamba, commentaire. 12h35, le ministre de Transport, Voie des Communications et des Désenclavements arrive au port de la Société commerciale des transports et des ports de Kinshasa. Chez Ruben Okiende Senga est venu s'enquérir aux côtés du conseiller spécial du chef de l'État en charge des investissements, Jean-Claude Kabongo, de toutes les conditions qui puissent permettre la réhabilitation et la modernisation de cette entreprise publique présente dans 17 provinces sur le 26 que compte la RDC. Chériban Okiende Senga, que le Congolais appelle affectueusement Magufuli, a visité plusieurs compartiments de ses ports, notamment les terminales des containers, les grues jaunes et vertes ainsi que l'atelier mécanique.
Un constat très préoccupant selon le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements. Voilà, aujourd'hui je suis en train de faire la visite de terrain avant de lancer certains projets très ambitieux que nous avons au niveau du gouvernement en ce qui concerne particulièrement la société commerciale de transport et de port. Face à un groupe d'agents qui a jugé opportun la présence du ministre pour manifester contre les impayements, Chérubin Okindé-Senga a appelé les uns aux autres au calme en attendant des solutions à venir. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. Chérubin Okindé-Senga sait désormais quoi faire pour sauver cette entreprise. Les nouveaux animateurs de la RVA commencent du service. La cérémonie de remise reprise a eu lieu aujourd'hui en présence de la ministre d'État au portefeuille, Angèle Mabialalando. Eli Toumba, reportage. Advance, spécialisée dans la communication des entreprises et la production des installations et des supports, s'engage à embellir la vue externe et interne des différents ministères. Son directeur général, Mireille Kaimbi-Chiyoyo, a fait part de son projet à la ministre d'État en charge du portefeuille, avec une expertise avérée dans la conception de supports de visibilité et communicationnels en RDC et au Congo-Brazzaville. Cette entreprise tient à accompagner le numéro 1 du portefeuille dans sa devise « Le temps doit être notre allié pour la réussite de la bonne gouvernance ». Solidaire Banque, l'une des plus importantes banques en République démocratique du Congo en matière de fonds propres, est le choix de petites moyennes entreprises et des entreprises à la recherche d'un service personnalisé, transparent et de qualité. Cette banque, qui compte plus de 100 000 abonnés, voudrait que les membres des cabinets ministériels puissent s'y affilier. L'administrateur directeur général Walid Kazan attend l'implication de la princesse Adèle Kainda Maïna pour la concrétisation de ce dit projet. L'ordonnance présidentielle numéro 21/0039 du 4 juillet 2021, nommant un nouveau directeur général à la régie des voies aériennes, vient d'être exécuté par la ministre d'État en charge du portefeuille. William Pambou-Pambou cède le bâton de commandement à Alphonse Chungu-Maungu. Les directeurs généraux sortants qui remerciaient les travailleurs pour le travail de titan abattu les a invités à accompagner le nouveau directeur général dans sa lourde mission. Le nouvel homme fort de la RVA a promis de ne ménager aucun effort pour redorer l'image ternie il y a plus de 3 décennies en renforçant la sécurité de notre espace aérien et en améliorant les conditions de vie des travailleurs. Justice pour terminer, lutte contre la corruption, c'est le cheval de bataille du procureur général près la Cour de cassation. Victor Mumba l'a rappelé aux responsables de parquet et des tribunaux. Nicole Sesseploka. Qu'on appelle une mise au point et elle ne vient pas de n'importe qui. Le procureur général près la Cour de cassation a réuni autour de lui les procureurs généraux près des cours d'appel de Kinshasa, Gombe et Matete ainsi que leur collaborateur. Victor Mumba Mukono a voulu à travers cette réunion rappeler à l'ordre tous les chefs d'office de la ville-province de Kinshasa à bien travailler afin d'améliorer l'image de la justice congolaise. Tous les messages ont consisté à interpeller le magistrat en vue d'améliorer leur manière de travailler, s'occuper de plus en plus des intérêts, des droits des populations que nous gérons dans le domaine judiciaire. Le magistrat doit être un modèle et non une personne corrompue. Nous allons essayer de mettre en pratique toutes ces instructions pour essayer de satisfaire la population. Il nous a aussi interpellé la situation de la maladie à Covid qui prévaut. Nous devons chacun prendre des dispositions qui s'imposent en vue de préserver le bon fonctionnement des services, mais aussi protéger les collègues, ne pas les exposer. Cette rencontre intervient quelques jours après l'intervention du chef de l'État à Goma, où il avait déploré le fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais. Fin de cette session d'information. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi avec beaucoup de fidélité. Je vous rappelle les principales informations. Perturbation de transport en commun ce matin à Kinshasa par endroits. Des pneus ont été brûlés pour empêcher la circulation. La conséquence était donc directe. Il était difficile d'atteindre le bureau à l'heure ce lundi. Et l'examen d'état hors session, les épreuves ont démarré aujourd'hui. C'était la dissertation, mais juste la perturbation du transport a empêché à certains finalistes d'arriver à temps dans les centres. Il y a également eu des accidents des motos avec des victimes. Nous avions aussi annoncé la paralysie dans les hôpitaux publics. Pas de médecins, les malades
se sont contentés du service minimum. Nous reviendrons plus tard avec force au détail sur cette information perturbante. Merci d'avoir été avec nous. L'actualité revient à 23h. Grand merci à la grande équipe de ce soir. Jacques Kaboba, Mugumina Seduga, Eric Kabamba, Patrick Kachala, Julien Piana, Patrick Joe Koukou. Je vous retrouve demain 20h avec le même plaisir. Excellente soirée à toutes et à tous.